c'est Julien Picard, le chef du bistronome à Nancy, qui nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Donc une association entre de la fraise chaude, enfin en tout cas tiède, un petit peu de romarin et une mousse au chocolat blanc. Voilà. C'est ça. Donc là, on est vraiment sur un fruit de saison qu'on va cuire. D'accord. Les fruits rôtis sont toujours intéressants. J'en ai souvent à la carte parce qu'on n'a pas l'habitude de les manger. Non. On le découvre autrement. C'est ça. Bah, c'est vrai que les fraises, habituellement, on les trouve plutôt brutes comme ça, mais pas trop poêlées. On va dire voilà. Ça comme ça. Donc on commence par quoi? Les fraises, j'imagine? Voilà, on va juste mettre un petit peu de branche de romarin au fond et après on pose les fraises dessus. D'accord, donc tu veux que je m'occupe des fraises, je coupe... Tu peux couper, ouais, à ras pour enlever... Et après, je les mets dedans. Et après, on pose ça sur notre petit lit de romarin. Mm-hmm. Alors en général, fraises romarin, ça se marie très bien. Et donc tu vas le servir tiède, quoi, c'est ça? Voilà, chaud, dès que ça sort du four, le temps de faire une petite quenelle avec notre mousse au chocolat blanc. Et puis on sera vraiment sur un contraste de chaud et de froid, toujours intéressant en cuisine de travailler les contrastes, du chaud, du froid, du croustillant, du moelleux, du fondant. On a toujours à gagner à faire des mélanges. Ouais, et puis ça c'est pareil, on est sur une recette comme ce que tu as pu nous faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire si on est vraiment dans de la recette express quoi. Voilà. Sauf la mousse chocolat blanc. On la prépare d'avance. Voilà, ça faut faire ça d'avance. La veille. En fait, c'est une chantilly chocolat blanc. Donc il faut prendre pour 100 g de chocolat blanc, on va prendre 200 g de crème liquide. D'accord. On va faire bouillir la crème liquide et on va venir couler la crème bouillante sur le chocolat. On va attendre 2-3 minutes que le chocolat fonde avec la chaleur de la crème. On met un bon coup de fouet dedans, on filme, on met au frigo. D'accord. Et le lendemain, on n'a plus qu'à monter ça comme une chantilly, tout simplement. C'est bien. C'est très bien. Donc ça, c'est bon. Donc là, tu vas... Juste mettre un miel. Petit peu de miel. Mm-hmm. Pour le côté gourmand. Voilà, allez. Et puis sucré, si elles n'ont pas pris assez de soleil, au moins ça apporte voilà. Une petite touche sucrée. Donc et là, après, ça part au four. Donc à 180, pendant combien de temps? À 180, encore une fois, on va surveiller. Dès qu'elle commence à jeter un petit peu de jus, donc elle commence à se relâcher un petit peu, c'est qu'elles sont cuites. Tout est à l'œil. Voilà, tout est à l'œil. Tu me montres ce que ça donne, cette fameuse mousse chocolat blanc? Alors, notre petite mousse au chocolat blanc. Ça donne ça, oui. Donc, elle est très... Elle est à la fois aérée et en même temps, on sent que elle tient. C'est ça. Tu peux la goûter? Mais bien sûr. Attends, on va la valider avant de la mettre dans l'assiette. Petit format pour éviter d'abuser avant. D'accord. Ouais, c'est bon. Mais tu vois, je goûte jamais avant parce que c'est frustrant, on prend qu'une cuillère. Ouais. Pour attendre la suite. Donc là, c'est bon. L'œil du chef valide. Donc on a nos fraises. Que tu dresses dans ton assiette. C'est sympa, je trouve, de les avoir entières comme ça. Enfin, poêlées, mais entières comme ça. Enfin, chaudes. C'est ça. Bah, ça évite qu'elles se vident complètement de leur jus et puis d'avoir une compote de fraises. Oui, c'est pas le but, quoi. On va venir remettre maintenant au centre de l'assiette une belle quenelle de mousse chocolat blanc. Mmh. Ah ouais. C'est une belle quenelle. Hein. Voilà. Ah, et c'est gourmand, c'est un dessert. C'est ça. Et puis parce que c'est pas encore assez gourmand, on va venir rajouter un petit peu de sablé breton. C'est quoi dessus. C'est un petit sablé breton. Voilà. J'en t'as tout mis. Pas mal. Bah non, mais c'est gourmand, non. Il y a pas de souci. Bon, c'est mon assiette. Voilà. Celle-là. On va goûter. On goûte. Bah si, je vais goûter la fraise tout de suite, forcément. Chocolat blanc. Gâteau. Ouais, c'est trop bon. La mousse, elle est trop trop bonne. Et effectivement, dans la mousse chocolat blanc, t'as aussi ce côté crémé. Tu sais, t'as le côté sucré du miel, des fraises et le côté un peu lacté. Ça fait, tu sais, comme les fraises de mamie là, avec le sucre, c'est ça, etc. Avec la crème, le et sucre, la crème, c'est trop bon. Et puis le gâteau, donc c'est vraiment sympa de retrouver la fraise sous cette forme-là, quoi. C'est bon. Ouais. Et puis, tu as quand même en fin de bouche le petit goût de romarin. Le romarin qui reste un peu, ouais. Qui a parfumé l'ensemble.
Eh ben top, franchement, on s'est régalé cette semaine avec toi. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'était que des recettes, tu sais, très courtes, très rapides, très simples. Donc, à la maison, on peut les refaire très facilement. Donc, merci pour ton accueil, Julien, on s'est régalé. Merci et on part avec plein d'idées pour manger au quotidien.